Attendez, je vais réfléchir quand même. Pourquoi on n'a choisi pas les eaux? Je suis palaisienne depuis 2000. On a commencé à être sur le plateau et on est descendu dans le centre-ville il y a quelques années. On a choisi de venir à Palaiseau parce que c'était une ville à densité moyenne et on retrouvait ce côté assez provincial, mais avec tous les avantages d'une ville tout en étant un petit peu à la campagne. Donc ça a été assez facile de faire notre choix en restant tout proche de Paris parce qu'on y travaillait tous les deux. Alors en 2018, la crise de la quarantaine peut-être, j'ai eu envie de changer vraiment de secteur d'activité. J'ai travaillé 20 ans dans les médias. Et puis j'avais besoin de remettre du sens et puis trouver une nouvelle activité en adéquation avec mes valeurs. Et j'ai débuté une reconversion pour comprendre et découvrir ce que ça voulait dire faire tiers-lieu et créer une dynamique de tiers-lieu. C'est un lieu de partage, un lieu de rencontre pour apprendre à faire et vivre ensemble où on recrée du lien social, du lien intergénérationnel. Dans un même espace, différentes activités se côtoient autour souvent d'un vecteur commun, donc celui de Palaiseau et autour de la transition écologique. Le projet Palaiseau 2030, je l'ai découvert un peu par hasard en mode de la publicité sur la mairie de Palaiseau. Et puis par curiosité, vu que je faisais ma transition moi aussi et que j'étais en reconversion, j'ai été aux conclusions de Palaiseau 2030 et à ce moment-là, j'ai découvert que les Palaisiens cherchaient un espace justement de partage autour de l'intelligence collective pour faire du lien et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion pour voir s'il y a possibilité de faire quelque chose et pourquoi pas donc de monter un tiers-lieu dans la ville. Le tiers-lieu est ouvert depuis septembre. Aujourd'hui, il y a trois grandes activités qui sont lancées. La première, c'est la boutique d'occasion. Il y a un espace de coworking qui vient d'ouvrir aussi également. Et puis, on a ouvert des salles mutualisées où on fait des ateliers autour de la sensibilisation écologique pour créer des rencontres formelles et informelles autour de diverses thématiques. Et sur 2022, on a trois gros projets à lancer. Le premier, c'est développer la cuisine partagée. On a une outil tech. Et enfin, le gros sujet qui vraiment moi qui me tient particulièrement à cœur et puis les bénévoles qui sont aussi sur ce projet, c'est de créer et développer un tiers-lieu dans l'EHPAD, ouvrir un jardin partagé dans l'EHPAD pour faire du lien avec les résidents du lieu. Alors quand on m'a annoncé que j'allais avoir la médaille de la ville cette année, j'ai été très étonnée. Du coup, c'est un honneur de la recevoir. Et puis, c'est surtout, j'ai vraiment envie de mettre en avant le projet. C'est un projet vraiment pour les Palaisiens et la ville. Et ça permet aussi de lui donner une nouvelle amplitude. Et j'espère que les Palaisiens, du coup, viendront découvrir le lieu et se l'approprieront pour le rendre pérenne et visible dans la ville.